Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Franchement, c'est dur de me voir dans le retour écran ces derniers jours avec cette tête malade et toute blanche et toute rouge et toute de déterrée. Mais bon, j'ai dormi toute la matinée. Heureusement, mes parents sont là. Du coup, ils jouent avec Ella et tout et ils s'occupent d'elle. Nico, il est allé jouer au badminton ce matin là. Et moi, j'ai profité pour dormir parce que je sais que c'est juste en dormant que je vais récupérer plus vite. Bref, je crois que je me suis tapé une grippe là en fait, hein. Je crois clairement, parce que j'ai eu de la fièvre et tout, j'étais un peu clouée au lit, je sais pas. Je suis pas du genre à aller chez le médecin, faut vraiment je suis en train de mourir pour aller chez le médecin, donc je vais juste dormir et continuer à prendre des Nurofen et prier pour que ça passe, hein. Voilà. Donc aujourd'hui au programme, il fait encore un temps pourri, hein, franchement. Je vais faire des pâtes complètes ce midi parce que j'ai envie de manger des pâtes. J'ai pas déjeuné ce matin, j'ai trop faim. Et là, elle est là-haut avec mes grands-parents, mes parents. Bref, du coup, ça fait 3 jours qu'il pleut à mort et que du coup, on sort pas. Là, il s'est arrêté de pleuvoir, mais tout est trempé dehors. Donc, je vais voir si le temps s'arrange. On essaiera de sortir un peu cet après-midi pour prendre l'air quand même au monde. Parce que hier et aujourd'hui c'était vraiment... Non, hier et avant-hier c'était vraiment la tempête. Mais genre de la grêle. Encore ce matin il y avait de la grêle à mort. Il a plu mais sans s'arrêter. C'est ouf. Ça arrive jamais chez nous. Donc bon, pas habitude. Donc on reste à la maison. Mais en même temps pendant les fêtes généralement on reste à la maison. On regarde des films. On fait pas grand chose et tout. Mais on a envie de prendre l'air là. Donc on va voir. Puis mes parents, les pauvres, c'est la première fois qu'ils viennent et qui fait que pleuvoir quoi, c'est dommage pour eux. Bon, mes grands-parents ne peuvent pas trop marcher et tout, donc de toute façon ils peuvent pas faire un million de trucs, mais bon quand même. Après avoir regardé Shrek, jouer à la pâte à modeler, et là elle fait la faux folle avec son papa d'amour. C'est ça, papa d'amour. Comment tu fais pour m'aimer autant? Comment tu fais pour m'aimer autant? Le vlog aura un peu de retard, faut que je le dise sur Insta d'ailleurs. J'ai repris un peu le... Enfin j'ai repris. J'étais en train d'écrire un article de blog parce que ça fait genre... La dernière fois que j'ai publié un article c'était pour l'ouverture de la boutique, donc c'est très simple, c'était le 3 novembre. Donc ça va faire bientôt 2 mois que je n'ai pas écrit sur le blog et ça me manque, j'ai plein de choses, plein d'articles en attente à vous écrire. Et j'ai envie de reprendre un peu du service on va dire. C'est pas une bonne idée de mettre des braises là-dessus. À mon avis, vu que c'est en plastique, pas du tout. Est-ce que je peux passer ou pas? Je sais pas. Je Donc du coup, là, Ella est en haut avec chez mon beau-père, avec ma mère, tout ça. Ils prennent l'apéro, j'imagine. Les connaissants. Et nous, on va monter manger. Serge nous a fait un repas, vu que mes parents partent samedi matin et qu'on est jeudi soir. On profite un peu de notre dernier repas tous ensemble. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui, comme je vous disais, on a regardé Shrek avec Ella, on a joué, je me suis reposée aujourd'hui, c'était off, j'ai pas travaillé parce que, enfin, j'ai monté mon vlog, etc., mais je n'ai pas fait d'autre chose parce que, il fait que pleuvoir et que je suis malade et que j'avais besoin de me reposer, mais demain, c'est reparti pour de nouvelles aventures, pas vraiment, mais... Ça va être cool et puis j'ai tous mes amis qui arrivent dimanche soir, j'ai trop hâte. On va préparer le nouvel an, demain on va s'atteler à ça parce que on va essayer de faire un truc cool, ça va être marrant. Pour moi aujourd'hui c'est encore tenue cocooning, survêt, enfin bas de jogging, gros pull, tout doux, bien chaud, c'est tout ce dont j'ai besoin pour parer à la maladie. Qu'est-ce que je voulais dire, on s'est regardé aussi un épisode de Stranger Things pendant la sieste d'Ella. Je crois qu'on va finir la saison ce soir. Il reste 4 épisodes avant la fin de la saison. Je crois qu'on va se les faire ce soir. Ça fait 4 fois 45 minutes. C'est pas grave. Ça fait 3 heures. Ça fait 3 heures. On va se coucher à 4h du matin. C'est pas grave. Bonne nuit. Ah bon, je vais rentrer à la cousine. Bonne nuit. C'est parti. Attention, sur l'autre côté, vite. Vite, c'est l'ambulance. Ça y est. On va aller faire dodo, chérie. C'est plus de souffle. Allez, maman va te mettre en pyjama. On a un souci de peluche. Donc, elle a
4 énormes peluches comme ça. Mais elle tient absolument à ce qu'elle soit toute dans son lit et elle fait des cabanes avec. Et je ne peux pas lui enlever son lit sinon elle pleure et elle est triste. Donc heureusement que son lit est très très grand, du coup les peluches prennent la moitié du lit à peu près. Mais elle remarque de suite dès que je les enlève, cette copine. On va ranger. Oui bien sûr on va ranger, allez, tous les bonhommes là, dans la boîte. Comme tous les... elle fait dodo, comme d'habitude. Et les autres, ils vont dans leur boîte. Oui, donne-moi ta vie. Choisis ton histoire ma puce. Il va falloir trouver une organisation que je vais acheter des boîtes de rangement pour tous ces jouets qu'elle a eu à Noël. Parce qu'il y a beaucoup de petites pièces et elle a aussi beaucoup de jeux de société. C'est bon, j'ai une case pour les ranger. Mais tout ce qui est peinture, pâte à modeler, etc., il faut que j'achète des boîtes de rangement pour les mettre dedans. Et parce que là, c'est pas possible. Bonne nuit. Bonne nuit petit chaton. Oui, je vais les... pas grande ouverte, un petit peu ouverte. Pourquoi? Comme ça. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, il est 9h. Je suis prête, je me suis préparée parce que ce matin on va faire un tour avec ma mère et Ella. Donc je vous fais un petit point vite fait sur ce que j'ai mis comme make-up parce que j'ai testé le nouveau, ce que je me suis pris à Sephora avec la carte cadeau que j'avais eu pour Noël et des petites nouveautés que j'ai reçues. Donc le mascara que j'ai pris à Sephora, je suis pas très très fan, franchement j'aime pas trop ce genre de mascara, je suis un peu déçue. C'est le, bon ça fera l'affaire hein. En attendant j'en trouve un mieux. C'est le Cinescope, il sépare trop les cils. J'aime bien moi les mascaras volume et allongeant. Et là il y a écrit mascara volume, mais en fait je trouve pas du tout qu'il fasse du volume. Je trouve qu'il sépare trop les cils. Enfin j'aime pas trop. Donc bref voilà, pour info, je trouve pas génial. J'ai testé le crayon noir aussi, je l'ai mis en liner. Donc on verra comment il tient, je vous le dirai au cours de la journée si j'y pense. Et j'ai testé... ça je suis, ça a l'air pas mal du tout, franchement je suis contente. Peut-être juste là, il faut que j'en remette. J'ai testé le, comment ça s'appelle, la crème sourcil de chez SLA en H brunette. C'est le Art Pro crème sourcil. Par contre j'ai oublié un petit endroit, donc je regarde bien. J'aime bien ce genre de d'application pour les sourcils. Et vu que moi j'ai vraiment, vous le voyez quand je suis pas maquillée dans les vlogs, j'ai vraiment pratiquement pas de sourcils. Enfin, ils sont très clairsemés, très clairs. Je suis obligée de me maquiller les sourcils, sinon ça fait très bizarre. Et je sais pas, je vous dirai ce que j'en pense dans la journée. Mais pour l'instant ça m'a l'air pas mal. Donc voilà, ça c'est SLA, donc Serge Louis Alvarez, j'aime beaucoup cette marque. J'ai reçu aussi le pinceau qui va avec et c'est très pratique. Il est très bien, il est mieux que d'autres que j'ai pu tester, franchement. J'ai testé la poudre translucide Sephora que je me suis achetée aussi, qui a l'air pas mal à la première application. On verra comment ça tient dans la journée, si ça... C'est une poudre libre, hein, si ça matifie bien tout au long de la journée. Et ce que je préfère, comme d'habitude, c'est le rouge à lèvres. Et ça, vous me demandez souvent ce que je porte. Donc, j'ai toute la gamme pratiquement en nude un peu de chez SLA. Et ce sont des rouges à lèvres que j'aime énormément. Et là, c'est la couleur robe, qui est un très joli nude, rose beige nude. Ce sont des mats, donc ce que j'ai fait avant, c'est que j'ai fait un petit gommage des lèvres et j'ai bien hydraté. Mais j'ai les lèvres quand même défoncées, donc je pense que ça va pas avoir le meilleur rendu possible aujourd'hui. Mais je trouve que la couleur est très jolie. Voilà, c'était le petit point make-up. Comme d'hab, je vous mets tout en barre d'infos. Si je trouve des codes promo, je vous les mets en barre d'infos. Et voilà, c'est parti. Maintenant, on va à l'atrium. Ba dum ba dum ba dum
Bon alors, on est rentré. Et là, pas été très sage encore. Ouais. Elle est un peu ronchon. Je sais que bah, ça fait pratiquement un mois qu'elle est avec ses grands-parents tout le temps et que tout le monde, toute l'attention est sur elle et tout. Je pense que c'est ça qui. Je sais qu'elle a un peu perdu la notion de la vie. On va devoir lui remettre la vie un peu dure à cet enfant. Ouais. L'apprendre la vraie vie. Je vais lui apprendre la vie. N'importe quoi. Je passe à Tiger pour le nouvel an. J'ai trouvé des trucs sympas, je vais vous montrer ça. Parce que ça coûte vraiment pas cher, Tiger, franchement. J'en ai eu pour 23 euros, mais il y a un truc à 5 euros qui fait pas partie de ce que j'ai acheté pour le nouvel an, donc du coup ouais, j'en ai eu pour 18 euros pour tout ça, donc je trouve que ça va franchement. J'ai pris des petits chapeaux comme ça de fête, donc là il y en a 6 dedans, donc argentés, et j'en ai pris aussi des roses pour les filles. On va être complètement ridicule, mais ce genre de truc qui fait rire. Ensuite j'ai pris des assiettes pour éviter qu'on fasse trop qu'on ait trop de travail et trop de vaisselle, enfin on n'a pas envie de se fatiguer trop. Donc des assiettes, des grandes comme ça qui sont argentées, il y en a 6, et des petites que je trouve magnifiques, j'aurais trop aimé les avoir en grande, qui sont dorées comme ça. Elles sont trop trop belles, franchement il y en a 8 dedans là. Et du coup 6 c'est pas assez là, enfin, je vais en reprendre maintenant. J'ai pris des gobelets, j'ai trouvé que ceux-là, avec les moustaches, bon c'est pas ce que je préfère mais il y avait que ça, donc j'ai pris ce qu'il y avait. J'ai trouvé ça peut intéresser pas mal de monde je pense. C'est une guirlande Happy New Year en ballon. Vous savez les gros ballons comme ça où il écrit Happy New Year. Donc je vais la mettre à la place du Merry Christmas qui est actuellement là. Et pour Bib, j'ai trouvé des serviettes aussi pour la table que je trouve très mignonne. Hop, mettons un peu argenté là comme le reste. Et pour Bib. En fait, Bib, vous avez vu dans un vlog il y a quelques temps, il disait oui, faut que j'achète une perruque mulet et tout. Et en fait, Ben a acheté une perruque mulet. Vous savez, les coupes des années 80. 70 même. 70 ouais. Bah, ils sont en 80, là, Stranger Things, où ils ont ouais. Cette coupe. 84. Donc, c'est plutôt. Ouais, ça doit être 70-80. Bref, j'ai pas trouvé ça, mais j'ai trouvé ça. Et je pense que. Bib avec cette coupe de Claude François là, il peut être très drôle. Donc ouais, je l'ai pris. Demain on va descendre tous ensemble avec Bib et Sabine et Mona pour faire les courses pour le nouvel an parce que tous nos amis arrivent dimanche soir, donc ils n'auront pas le temps de faire les courses. Donc voilà, on va s'occuper de ça demain. Je suis contente, ça fait plaisir. Mes parents et mes grands-parents partent demain matin. Donc voilà, pour les petites updates. Bon, bah j'ai encore dormi 2 heures cet après-midi. Ouais, ben récupère ça, comme je peux. Ça va. On va monter en haut là dans l'appart avec pouvoir dire au revoir à mes grands-parents et tout parce que part demain. Nico a fait des petits cookies au chocolat noir à fleur de sel. Chocolat fleur de sel. Et j'ai les yeux qui pleurent. Je suis fatiguée. Je voulais pas qu'il était méchant parce que je voulais manger quand monsieur papa il a fait. N'importe quoi, comme bêtise que tu racontes. Allez, on monte. Allez, ma chérie, on y va. Allez, on fait de la musique. Par contre, ma mère, quand je vais pousser la casse, je vais prendre un beau vêtu à pièce. Oh, l'aime de la lune, mon ami Pierrot. Laisse-moi ta plume. Attends. Papa, la musique. D'accord. Ah. Oui, elle est là. La famille des dingues. On va remonter voir, faire le bisou. Tu dis, qu'est-ce que t'as dit à papa? J'ai dit, pas sûr. Mais ça va bien. Mais ça, c'est bon. C'est formidable. C'est formidable, t'as dit papa, t'es formidable, t'es trop beau, tu l'as dit. Papa, t'es trop beau, moi, t'es formidable. Merci toi, t'es formidable. On fait une partie de cache-cache et je me demande bien où on peut être là. Hein. Elle est bien cachée. Hein. Je la vois pas là. Elle est où, Ella? Elle est pas là. Elle est où, Ella? Elle est pas là?
Oh, mais je vois des petits pieds. Je vois des petits petons. Maman, toi, t'es quelqu'un et moi, je vais te chercher. Tu vas me chercher? Oui. Déjà, sors de ta cachette, coquine. Là, je suis bien cassée. Maman, toi, tu vas te casser et moi, je suis. J'ai passé la soirée à faire du montage. Quoi? Nico, lui, il joue à la PlayStation. Oh. Débarque. On a fait aussi la liste pour le nouvel an, des courses à faire, des trucs à acheter et tout. Demain, là il est 23h, faut que je me lève très tôt parce que du coup faut que je monte mon vlog. Il faut que je commence à monter une vidéo que je veux vous publier absolument dimanche. Vous doutez laquelle c'est à mon avis, comme l'année dernière. Mais ça me prend beaucoup de temps monter ce genre de vidéo et je n'ai pas commencé. Donc voilà. Ensuite il faut que j'emballe mes commandes pour que Nico puisse les emmener à la poste. Enfin bref, demain on a une journée déjà toute planifiée, donc on a des trucs à faire. Donc je pense que je vais vous laisser ici. J'espère que ce vlog vous a plu. Encore un vlog sur 2 jours parce que j'étais, vu que j'ai dormi tout l'après-midi et que je suis encore malade, etc. Je suis allée doucement cette semaine. Les vlogs reprennent un rythme normal à partir d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à le liker, à le commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne et à celle de Nico si c'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.